Louveciennes, France. Lorsque le château Louis XIV s'est vendu à plus de 275 millions d'euros ily du ans, le magazine Fortune le qualifiait de maison la plus chère du monde et town and country s'émerveille de sa fontaine dorée, de ses statues de marbre et de ses haies tailles en labyrinthe agrémentant un parc aménagé de 23 hectares. Portant, si les details somptueux de la propriété étaient connus, un mystère persistait. Celui de l'identité de l'acquéteur. Le propriétaire n'est autre que le prince Mohammed ben Salman, héritier du trône Zayhuddin, selon des informations obtenues au cours d'entretiens avec des conseillers de membres de la famille royale Zayhuddin, des documents futs et des archives de sociétés de trois pays différents. Le même jeune prince est l'instigateur d'une série de réformes audacieuses qui transforment le royaume et ébranlent le Moyen-Orient. Le château acquis en 2015 semble faire partie d'une série d'acquisitions auxiliaires pré-exorbitantes, dont un yacht à 500 millions d'euros et un peinture de Leonard da Vinci à 382 millions d'euros. Par un prince qui est portant à la tête d'un vaste campagne de lutte contre la corruption et l'enrichissement personnel des élites saoudiennes ILASA, et RIASI, ASI. Donner l'image de quelqu'un de différent, un réformateur, ou tout au moins un réformateur social, et qui n'est pas corrompu, dit Bruce O'Riddell, ancien analyste de la CIA et auteur. C'est un coup sévère pour cette image. L'histoire du château Louis XIV, reconstitué à partir d'entretiens et de documents osquels le New York Times a eu aches, a tout d'un polar. Ses personnages sclis sont un avocat au Grand Duch de Luxembourg et un homme tout faire pour millionnaires à Malte. Kim Kardashian elle même y fait un apparition lorsqu'elle songe y organiser son mariage avec Kanye West, avant que le prince héritier n'est port acquéreur. L'identité réelle du propriétaire de ce château de Louveciennes, situé près de Versailles, est son usement dissimulé derrière des sociétés écrans en registres en France et au Luxembourg. Ces derniers appartiennent à une investment company, une société saoudienne dirigée par le gérant de la fondation personnelle du prince héritier Mohammed. Selon des conseillers de la famille royale, c'est le prince héritier qui est le propriétaire de fait du château. La société et investment est aussi l'entreprise au travers de laquelle le prince Mohammed a pu acquérir, sur un coup de cœur, un luxueux yacht de 134 mètres. Ille ratchet à un magnat russe de la vodka en 2015 pour 500 millions d'euros. Récemment, cette même société est devenue propriétaire du Riveray, un propriété de 250 hectares à Condé-sur-Vesgre, à un heure de Paris. C'est l'architecte du château de Louveciennes qui est en charge de la rénovation de cet autre manoir ainsi que de la construction de nouveaux bâtiments qui serviront, d'après les permis de construire consults à la mairie. De domaine de chasse. Le promoteur immobilier à l'origine du projet de château est Ahmed Khashoggi, neveu du riquissime marchand d'armes Adnan Khashoggi, Ajard Hwe de Seed. Il a ordonné la démolition, en 2009, d'un château préexistant du XIXe siècle pour faire place au futur château Louis XIV. A première vue, le nouvel édifice paraît remonter à l'époque de Versailles,
Don't le lux tape a l'oidimer un standard international. Mais sous ses atours adim, le château abrite un technologie du XIIIe siècle. La fontaine, la sono, l'éclairage et l'air condition ultra silencieuse, par exemple, sont réglables à distance via iPhone. N plus des installations luxueuses typiques de ce genre de propriété, comme la cave à vins ou la salle de cinéma, un superbe frescorn le plafond de la rotonde. Le fond de douvest a manage un aquarium souterrain doul on put admirer les esturgeons et les carpes koi évoluent par dèches. Un statue de Louis XIV en marbre de Carrare trône aussi dans le parc du château. Le concept est kitsch et pousse quand on yest, cane l'est plus, estime Marianne Merlino, qui était maire joint de la ville au moment de la construction du château. Comme à Versailles, ou tout était excessif, et comme Louis XIV, il a réussi quelque chose d'assez exceptionnel. Age de 32 ans et acteur sur la scène publique depuis sa peintre ans, le prince héritier Mohamed s'est taillé la réputation d'un leader volontaire, voire imprudent, d'après ses detracteurs. Il a lance un offensive aérienne au Yémen et à l'origine du blocus au Qatar. Il s'est cependant gagné les faveurs de nombreux jeunes saoudiens en contenant la police religieuse du pays, en permettant d'accorder le droit de conduire auxiliary femme et en un incant, la semaine dernière, la fin de l'interdiction des salles de cinéma dans le royaume. Mais dans un pays habitué auxiliary dirigeants octogenaires, l'avènement du jeune prince suscite bien des grincements chez les aînés, surtout lorsqu'elle écarte son cousin plus âgé pour devenir prince héritier. Il fait l'objet d'une attention encore plus accrue depuis l'arrestation le mois dernier d'une douzaine de ses cousins royaux et de cent aînés d'autres hommes d'affaires et de fonctionnaires. Ils sont désormais détenus au Carlton de Riyad, devenu la plus luxueuse prison au monde. Le gouvernement se félicite d'un coup de filet anti-corruption, mais ses detracteurs y voient plutôt un purge politique et un opération d'extorsion. Interroge sur les arrières pensées politiques de ses arrestations par l'éditorialiste du New York Times Thomas Friedman. Le prince héritier Mohamed a expliqué l'objectif pour l'état est de récupérer 100 milliards de dollars 85 milliards d'euros en dommages et intérêts auprès de l'élite emprisonnée. Mais il qualifie de ridicules les accusations selon lesquelles ses arrestations auraient un but politique, affirmant que c'est le seul moyen d'éradiquer la corruption et l'enrichissement personnel. Dans il faut envoyer un message, et le message tu en envoyé en ce moment est vous n'y échapperez pas, a-t-il explique. N'ile prince héritier n'ile gouvernement saoudien n'ont d'un suite à nos demandes de reactions pour cet article. Le train de vie de pensier de la famille royale, dont l'origine de la fortune reste opaque, fait sour siller depuis bien avant la vague de repression. Avec la chute du prix du pétrole, source traditionnelle de la richesse du pays, le gouvernement s'est efforcé d'appliquer un certain discipline financière pour réduire les déficits. Mais l'année dernière, alors que le gouvernement annulait plusieurs projets d'un valeur totale d'environ 250 milliards de dollars par souci d'économie, le roi Salman, oui, S.E. Faisa construire un luxueuse résidence secondaire sur la côte marocaine. L'it précédent,
and vacances dans le sud de la France, le tout. Nouveau prince héritier Mohamed Croquet pour un magnifique yacht efficient du piscine et un hélicoptère. Pour accomplir cette opération, un cohort d'avocats, de banquiers et de comptables en Allemagne, auxiliary Bermudes et sur l'île de Man ont monté un opération de transfert des titres de propriété vers et investment. D'après les Paradise Papers, un ensemble de documents foots d'un cabinet d'avocat auxiliary Bermudes, le pré-stipule sur les premières versions du contrat de vente était encore plus élevé que celui du château 420 millions d'euros. Des échanges de mails entre les avocats révélant que le yacht appartiendrait à une société domicile auxiliary Isles Cayman appelée Pegasus 8. L.A. at Cree in 2014, au moment même où le prince héritier Mohamed achetait un autre yacht, rebaptise Pegasus 8. Celui la coûtait environ 60 millions de dollars 45 millions d'euros à L.A. Poc Silon Sun Vendure, un investisseur californien prénom Ronald Tudor. L.E. Mois dernier, Le tableau Salvatore Mundi de Leonard da Vinci a été à un acteur anonyme pour la somme de 450,3 millions de dollars, 382 millions d'euros, un record dans l'histoire des enchères pour un overdar. A l'issue d'un enquête approfondie, le New York Times a pu établir que l'acquéteur était un obscur prince Saoudien proche du prince héritier Mohamed. D'après des sources au fait des details de la vente ainsi que des membres des services de renseignement américains, l'acquéteur servait de prénom au prince héritier. Le gouvernement Saoudien nie ces informations, affirmant soit que l'acquéteur opérait en tant que intermédiaire pour les Emirats Arabes Unis, ou le tableau sera exposé au Louvre Abu Dhabi. Soit que le prince héritier l'a acquitté pour en faire don à Abu Dhabi. Les personnes au courant des details de la vente insistent que le prince héritier était bien l'acquéteur au moment de l'enchère. Les dépenses des princes Saoudiens sont scrutées de près depuis des décennies, mais les Paradise Papers et les Panama Papers, obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et partages avec le Consortium International des Journalistes d'Investigation en ZK d'autres médias, appartent un masse de nouveaux details. La fortune du prince héritier Mohamed, aussi vaste soit-elle, se révèle en être une petite part de la fortune amassée par la branche du roi Salman au sein de la maison Saoud à Londres, ou le nom du roi Salman est déjà lié à du demeures somptueuses. Son fils le prince Turki Ben Salman se révèle être garant d'une société domicile à l'île de Man qui, en 2014, a vendu pour plus de 25 millions union apparutement à quelques pas de l'abbaye de Westminster. Le prince Sultan Ben Salman, un demi-frère du prince héritier et le premier astronaute arabe à être allé dans l'espace, est propriétaire d'un luxueux jet Boeing, estime à plus de 85 millions d'euros, via une société écran domicile auxiliary Isles Vierges Britanniques. Le vaste complexe immobilier du roi Salman sur la côte sud de l'Espagne appartient à du sociétés panamines, Els memes contrôlés par une société luxembourgeoise appartenant au roi et à ses enfants. Un autre holding, domicile celle la au Liechtenstein, déchant la villa du roi sur la côte d'Azur, ou l'actrice Rita Hayworth s'était mariée en 1949. Les deux nouvelles propriétés françaises, Le Château Louis XIV et le Domaine du Rouvray, appartiennent à deux sociétés françaises.
Elles sont détenues par une entreprise au Luxembourg, Prestigestate SARL, qui appartient elle-même à Eight Investment. Thamer Nassif, qui se décrit sur LinkedIn comme Président des Affaires Prives du Prince Héritier, est à la fois le gérant de Prestigestate et celui d'Eight Investment. Les documents de la firme Appleby Auxiliary Bermudes révélant que Eight Investment appartient auxiliary membres de la famille royale saoudienne. Donc la richesse provient du ROIET de l'État. Les trois propriétaires enregistrés sont Badr Ben M. Alassaker, dirigeant de la Fondation Personnelle du Prince Héritier, Hazim Mustafa Zagzoug, Charge des Affaires Prives du ROI Salman, et Bader Ali Alkoail, Ambassadeur d'Arabie Saoudite Auxiliary Maldives. L'archipel de l'Ocean Indien Oule Prince Héritier a organisé des fêtes extravagantes avec des invites téléphones que le rappeur Pitbull et le chanteur Sudkarin Sy.Lly plus ears autres châteaux à Louvaciennes, dont celui de Madame du Barry, la favorite de Louis XV. Au XIXe siècle, la ville était appréciée des peintres impressionnistes et de nos jours, c'est un bon lieu is de Paris. Les responsables municipaux qui ont eu à travailler avec M. Khashoggi parlant de son enthousiasme quasi obsessionnel pour le projet. Khashoggi disait que c'était le rêve de sa vie de créer quelque chose comme ça, si rappelle Madame Merlino. L'ancienne mère adjointe. Il voulait le meilleur pour chaque partie de la propriété, et c'est ce qu'il a obtenu. M. Khashoggi a fait savoir par un intermédiaire qu'il ne souhaitait pas apporter de commentaires. Les plus somptueuses réalisations, comme les dérouers, ont été réalisées par l'atelier Marigit Carrere. Un atelier d'artisanat d'Arkea aussi travaille à la restauration de l'Elysée et de l'Opéra Garni à Paris. Antoine Courtois, son dirigeant, a dit ne pas pouvoir commenter les travaux du château Louis XIV en raison d'un accord de confidentialité. Hans Kochi, un entrepreneur maltais qui gère les propriétés de personnes très fortunes, a dépose un permis de construire pour transformer les anciennes écuries de l'abris du château, au bord de la propriété, en villa avec un piece d'ornemental. Un autre permis de construire concerne une nouvelle maison de gardiennes, inspirée du hameau de la reine au château de Versailles. Un propriété de style rustique construite pour Marie-Antoinette. Véronique Skrzycki, un residente de Louvaciennes qui aimait aller auxiliary champignons quand l'ancien château, avec ses fenêtres casses, était encore debout, regrette que le propriétaire semble ne jamais venir et que le terrain soit fermé au public avant, c'était un ruin ancien pour les fantômes, se souvient-elle. Maintenant, c'est un Android tout neuf pour les fantômes.